Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour. La Bible dit que lorsque la dernière trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront en premier, puis les vivants seront enlevés, et ensemble ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cet événement est appelé l'enlèvement. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il va se passer juste après l'enlèvement, et nous comprendrons pourquoi le Seigneur va mettre à l'abri ses enfants en les enlevant soudainement de la terre. En effet, l'événement qui surviendra juste après l'enlèvement marquera l'entrée dans la grande tribulation, le début de la colère de Dieu et le jugement de ce monde. Premièrement, allons dans Matthieu chapitre 24. Au verset 37 à 39, il est dit « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » Voyons aussi Luc 17, versets 26 à 27. « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. » Enfin, les versets 28 à 30 du même chapitre. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Jésus nous dit que lors de son retour pour l'enlèvement, le scénario sera identique à ces deux histoires. Il faut donc scruter ce qu'il s'est passé dans ces deux histoires. Nous allons voir qu'il y a des aspects prophétiques dans les deux. Les deux nous donnent des détails différents, mais qui se complètent. Un peu comme un puzzle. Premièrement, regardons l'histoire de Noé et sa généalogie. Dans Genèse 5, verset 21, nous y voyons Enoch, qui, après avoir marché en communion avec Dieu, fut enlevé. Il est une préfiguration de l'enlèvement. Enoch eut pour fils Mathusalem, qui se dit « Methuselah » en hébreu, et cela signifie « homme du javelot », c'est-à-dire « après ma mort, le javelot », donc le jugement. Ce fut le déluge. En effet, le javelot était un instrument de guerre servant à donner la mort. Il symbolise le jugement et la destruction. Nous voyons cela dans Josué 8, verset 18, ainsi que dans Josué 8, verset 26. Donc Mathusalem porte dans son nom le jugement. Et ce dernier devait arriver une fois qu'il serait mort. Mathusalem vécut 969 ans. Il est l'homme qui vécut le plus longtemps, signe de la patience de Dieu envers les hommes avant le jugement. Continuons la généalogie. Mathusalem vécut 969 ans. Il eut pour fils Lémec, qui mourut à 777 ans, et Lémec eut pour fils Noé. Lémec mourut à 777 ans, comme un signe du jugement. Il annonce en fait un jugement double,
un qui sera pour sa génération, un qui sera pour la fin des temps. En effet, l'âge de sa mort comprend 3 7. Or, dans le livre de l'Apocalypse, le jugement de Dieu commence par 7 sceaux dans Apocalypse 5, verset 1, qui ouvre sur 7 trompettes dans Apocalypse 8, verset 1 à 2, qui ouvre sur 7 coupes dans Apocalypse 15, verset 1. Cette série de 3 7 se confirme avec un autre texte de la Bible. Dans Josué 6, verset 3 à 4, nous voyons la chute de Jéricho. Voici ce qu'il est dit. « Vous tous, donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours, et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des corps. » On voit qu'il y avait 7 sacrificateurs avec 7 corps ou 7 trompettes qui firent 7 fois le tour de la ville le dernier jour, puis Jéricho fut détruite. On voit encore une série de 3 7 qui annonce le jugement, la destruction de Jéricho. Et à propos de cela, nous avons vu récemment un phénomène étrange d'animaux et d'insectes qui tournent de façon circulaire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et chacun essaie d'avoir une explication. Les hommes notamment essaient d'expliquer cela avec leur science. Mais la Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. La version anglaise dit même que les hommes ne le perçoivent pas. En effet, vous remarquerez que les animaux, qui d'ailleurs n'ont pas la parole, tournent silencieusement. Tout comme les Israélites durent tourner autour de Jéricho silencieusement. Ceci est un présage du jugement qui arrive. Revenons maintenant à Mathusalem. À sa mort, le jugement doit commencer. Ce dernier mourut à 969 ans. La Bible nous dit que Noé avait 600 ans lorsqu'il est entré dans l'arche. Vous trouvez cela dans Genèse chapitre 7. Si on fait un petit calcul, on se rend compte qu'en additionnant tous les âges auxquels chaque personnage a été engendré plus les 600 ans où Noé est entré dans l'arche, nous tombons effectivement sur l'âge de la mort de Mathusalem, soit 969 ans. Son nom signifie « après moi le javelot », soit le déluge. Et effectivement, l'année de sa mort, Noé est entré dans l'arche et le déluge est arrivé. Notons au passage que l'âge de Noé, lorsqu'il est entré dans l'arche, 600 ans, représente le temps de l'humanité sans Dieu. En effet, depuis la création d'Adam jusqu'à notre ère, il s'est écoulé 6000 ans environ. C'est le temps du règne de l'homme sur terre. Nous savons que le règne de Christ sera de 1000 ans, ce qui fera 7000 ans au total qui correspondent aux 7 jours de la création de Dieu, qui correspondent également à la semaine de Dieu avec les 6 jours de travail et le 7e jour de repos. Donc tout cela est prophétique. Nous avons vu dans la vidéo précédente en effet que le 1 jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur a créé la terre en 7 jours, soit 7 jours de 1000 ans, ce qui donne une durée totale de l'humanité de 7000 ans. Donc nous voyons encore un signe prophétique dans la vie de Noé, qui lorsqu'il est entré dans l'arche, actait le jugement du monde à 600 ans, et ensuite lorsqu'il est sorti de l'arche, prophétiquement, c'était comme un nouveau monde, ce qui nous montre que nous sommes arrivés nous aussi à la fin de l'ère que Dieu avait impartie au monde, 6000 ans, et nous allons bientôt rentrer dans le millénium. Mais il y a encore un autre aspect prophétique pour la fin des temps dans la vie de Mathusalem. En effet, nous avons vu que son nom signifie « homme du javelot », c'est-à-dire « après moi le javelot ». Le javelot nous annonce de quelle façon le jugement va commencer. En effet, non seulement le javelot est une arme de guerre, il annonce donc la guerre, mais il ressemble de très près à une arme moderne que nous connaissons. Voilà la photo d'un javelot, et voilà maintenant la photo d'un missile moderne. Pour information, il existe même un missile qui s'appelle le Javelin, en référence justement au Javelot. Et par cette information, on comprend que ce sera la Troisième Guerre mondiale qui va commencer. Jésus nous a dit dans Matthieu 24 qu'il se passerait la même chose à la fin que du temps de Noé. Même si c'est Enoch qui représente l'épouse de Jésus et qui est enlevée avant, Jésus nous dit de regarder comment cela s'est passé à l'époque de Noé. Et dans Genèse 7, versets 11 à 13, on voit que le déluge commença le jour même où Noé entra dans l'arche. En effet, il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, ce même jour, Noé entra dans le bateau
ainsi que ses fils Sem, Cham et Japhet, sa femme et ses trois belles-filles. Donc on voit que, à l'instant où Noé est entré dans l'arche, le déluge a commencé. Nous comprenons par là que, au moment où le Seigneur viendra chercher ses enfants, le jugement commencera par la guerre et ce sera la Troisième Guerre mondiale. On va confirmer cela dans l'histoire suivante, puisque Jésus nous dit également que le moment de l'enlèvement sera également comparable à ce qui s'est passé du temps de Lot avec Sodome et Gomorre. Dans Genèse 19, versets 12 à 25, on lit ceci. « Alors, les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville ? Des gendres, des fils et des filles, qui que ce soit, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » « Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de chose ? » ?»« Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur, et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de chose. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors, l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. Nous voyons plusieurs choses dans ce passage. Premièrement, Sodome et Gomorre ont été détruites avec du feu et du soufre. Une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, détruit avec du feu. Un missile, détruit avec du feu. C'est une explosion. Il y aura très probablement des armes nucléaires pendant la Troisième Guerre mondiale qui suivra l'enlèvement. Une arme nucléaire peut détruire des villes et même des régions entières, exactement comme Sodome et Gomorre. D'ailleurs, les versets 27 et 28 du même chapitre nous disent ceci. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorre et vers toute la plaine environnante. Et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Donc Abraham a vu une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Une explosion nucléaire, avec sa boule de feu, est comparable à un immense brasier, et il y a aussi une épaisse fumée, appelée champignon atomique. Sodome et Gomorre ont été détruites avec du soufre enflammé. Et le soufre est également un symbole de la guerre. Dans Apocalypse 9, lors des fléaux, nous voyons des cavaliers qui servent pour la guerre, infliger des tourments avec du feu, de la fumée encore une fois, ainsi que du soufre sortant de leur gueule. Le soufre est également irrespirable, il est très toxique lors de l'inhalation et peut causer la mort. Cela fait penser aux radiations nucléaires qui sont toxiques. Deuxièmement, nous remarquons au verset 15 que dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Regardons ce que Ésaïe 21 versets 11 à 12 nous dit. Oracle sur Douma. On me crie de Séir. Veilleur, que dis-tu depuis la nuit ? Veilleur, que dis-tu depuis la nuit ? Et le veilleur répond : Le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Revenez-y, oui, venez à nouveau. Lorsque les anges ont commandé à Lot et sa famille de partir, c'était pendant la nuit. Dans le verset d'Ésaïe, la sentinelle observe depuis la nuit. La nuit correspond déjà à un état de ténèbres. En effet, nous voyons dans Genèse 19, verset 4, que c'est la nuit que les gens de Sodome et Gomorre sont venus pour commettre leurs abominations. Ensuite, la sentinelle voit deux choses arriver. Le matin, ce qui est logique, et la nuit aussi,
ce qui n'est pas logique d'un point de vue astronomique. Le matin symbolise le salut, puisque c'est la lumière qui arrive. Et l'aube, donc le matin, commençait à arriver sur Sodome et Gomorrhe, c'est pourquoi les anges pressaient Lot afin qu'il soit sauvé. Ensuite, au verset 23 et 24, il est dit ceci. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Lot venait d'arriver à Tsoar, il était donc à l'abri. Au même moment, le soleil se levait et le jugement, la destruction, est arrivé sur Sodome et Gomorrhe. Après la nuit astronomique qui représente les ténèbres, là où le péché se pratiquait, est venue la nuit spirituelle, c'est-à-dire la destruction, le jugement. C'est exactement pareil pour notre temps. Nous sommes actuellement dans les ténèbres dans ce monde perverti et corrompu dont le péché ne cesse de croître. Comme dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, c'est à minuit que le cri de l'époux se fait entendre. C'est le cri de minuit. Cela fait écho au verset d'Ésaïe 21. En effet, minuit symbolise le moment le plus noir de la nuit, car le monde aura atteint son comble dans le péché. Mais pour ceux qui sont fidèles à Dieu, le cri de minuit symbolise le matin. Comme le voit la sentinelle d'Ésaïe 21, le matin vient, c'est-à-dire le Seigneur Jésus vient. En effet, Jésus est l'étoile du matin. Dans Apocalypse 22:16, voici ce qu'il est dit. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. » Dans 2 Pierre 1, verset 19. « De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. » Donc pour l'épouse de Jésus, ceux qui lui sont fidèles, ce sera le matin. Mais pour le monde, ce sera les ténèbres, c'est-à-dire l'entrée dans les 7 années de tribulation, où il y aura le jugement avec la colère de Dieu, ainsi que le règne de l'Antichrist. Une dernière chose dans ce texte, c'est que Lot signifie voile, couverture. C'est comme une protection. Dès que Lot est sorti de la ville, la couverture a été ôtée et le jugement est tombé. L'ange dira d'ailleurs à Lot que tant qu'il est dans la ville, le jugement ne peut pas commencer. C'est la même chose pour l'épouse de Christ. Tant qu'elle est sur terre, le monde ne peut pas être jugé. Il est d'ailleurs dit, concernant l'Antichrist, que quelque chose le retient dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6, et que cette chose sera écartée dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Nous comprenons que le Saint-Esprit, puissance agissante de Dieu, le retient. Et le Saint-Esprit est dans ceux qui appartiennent à Dieu, puisqu'ils sont le temple de cet esprit selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Dès lors que nous serons enlevés, la couverture de protection de ce monde partira avec nous et le jugement commencera. Ainsi, nous avons vu précédemment que le jour même où Noé est entré dans l'arche, le déluge a commencé. On voit ici que le jugement tombe immédiatement après la mise à l'abri de Lot et sa famille. C'est pourquoi nous comprenons qu'immédiatement après l'enlèvement, le jugement de ce monde commencera par la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que nous confirme 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Si vous lisez ce verset dans son contexte, en commençant par le chapitre 4, vous constaterez qu'il parle précisément du moment de l'enlèvement. De plus, le mot « ruine » signifie aussi « destruction » en grec. Il a d'ailleurs été traduit comme cela dans la Bible anglaise. Cela est plus parlant car la guerre est synonyme de destruction. Il est dit également que cela sera soudain, c'est-à-dire rapide. Il y a donc tout lieu de croire que lorsque la trompette de l'enlèvement sonnera, des missiles seront peut-être déjà lancés. En effet, cette fois-ci, la mise à l'abri se fera instantanément, en un clin d'œil, comme le dit 1 Corinthiens 15, verset 52. Enfin, nous allons voir un dernier passage, dans Luc 21, verset 34 à 36, où Jésus parle du jour de l'enlèvement. Voici ce qu'il dit. « Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire, et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. » Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors, un mot sur le contexte.
Jésus nous dit de prendre garde pour que nos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de se tracasser pour les choses de la vie, c'est-à-dire les soucis du quotidien. Donc déjà, si on est en train de trop bien manger et de trop boire, c'est qu'on n'est pas en train de vivre une persécution telle qu'elle le sera dans la grande tribulation où l'Antichrist mettra à mort les enfants de Dieu et où il y aura toutes sortes de jugements terribles et où même la nourriture manquera. Là au contraire, il nous dit qu'on risque de se laisser appesantir par cette vie trop normale, trop facile. Donc on n'est clairement pas dans un contexte où on est dans la grande tribulation. Deuxièmement, on voit que Jésus parle d'un filet, ce jour sera comme un filet qui va s'abattre sur tous les habitants de la terre. Or, le filet servait à l'époque à capturer des animaux, notamment des oiseaux. Vous avez ça dans le psaume 91 au verset 3 et le psaume 124 au verset 7. Alors le filet tombait très rapidement sur sa proie et il ne lui laissait pas le temps de s'échapper. Ce qui nous indique que le jugement commencera très rapidement, au moment de l'enlèvement. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'enlèvement se fera lui aussi très rapidement. Ensuite, dernièrement, on remarque que Jésus nous dit que nous pouvons échapper à tout ce qui doit arriver et nous présenter debout devant lui, signe qu'on a été enlevé. Donc on voit avec tous ces passages prophétiques que juste après que la trompette sonne, que les morts ressuscitent et que nous soyons enlevés, que le jugement commencera par la Troisième Guerre mondiale. C'est aussi ce qu'exprime la parole de Jésus lorsqu'il dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, cette expression se rapporte à la fête de Rosh Hashanah, dite fête des trompettes, qui s'appelle également Yom Hadin, jour du jugement. Donc, le jour où la trompette sonne, c'est l'enlèvement et le début du jugement. Nous précisons juste une chose, nous n'affirmons pas que le jour de l'enlèvement sera le jour de la fête des trompettes, tel qu'il est sur le calendrier hébraïque. C'est une image. Donc maintenant que nous avons montré toutes ces choses dans la Bible, nous voulons courtement exposer deux témoignages qui viennent confirmer cela. Le premier est une vision qu'une chrétienne norvégienne, âgée de plus de 90 ans, a reçue en 1968. Vous avez le lien sur l'écran et également dans la description. Tout ce qu'elle a vu s'est accompli, il ne reste que la fin de la vision. Nous ne lirons que le début et la fin, mais nous vous encourageons à lire l'intégralité de sa vision. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe, et j'ai vu l'Europe pays par pays. J'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège, j'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus, et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons jamais expérimenté avant. Ensuite, elle a mentionné quatre points que nous passons pour lire la fin. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme vers le bas de ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous, vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte, elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera ruinée, entre parenthèses souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste dans les pays riches essayera de se sauver vers les pays pauvres. Mais ils seront aussi durs sur nous que nous l'étions sur eux. Je suis si heureuse de ne pas voir ces choses. Mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme sauveur et Seigneur est sauvé. Enfin, il y a également le témoignage de ce jeune homme qui, juste après avoir été enlevé lors d'une expérience que le Seigneur lui a permis de vivre, a vu la terre comme vue de l'espace. Mais il ne voyait plus de bleu pour l'océan ou de marron vert pour les continents, mais la terre était entièrement orange feu. Nous vous encourageons également à l'écouter. La fin des temps est une convergence de choses. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une partie d'échecs. Supposons que nous fassions une photo de la partie lorsqu'elle est terminée. Ensuite, nous donnons la vidéo à quelqu'un ainsi que la photo finale de la partie. La personne commence à regarder la vidéo et au début, rien ne ressemble à la photo. Au fur et à mesure que la partie se déroule, les pions commencent à être éliminés, d'autres se dirigent lentement vers la position finale où on les aperçoit sur la photo. Puis, arrive le moment où les pions sont très proches de ce que l'on aperçoit sur la photo.
On devine alors qu'il ne reste plus qu'un ou deux coups avant que la partie ne se termine. Il en est de même avec la fin des temps. Lorsque l'on voit la photo finale au moment où l'enlèvement se produira, et qu'on la compare à ce qui se passe actuellement dans le monde, on comprend que nous sommes très proches de la fin à un ou deux coups seulement. Il faut s'intéresser au contexte géopolitique mondial pour comprendre les tensions extrêmement élevées qui sont aujourd'hui là entre les grandes puissances. Ces tensions se cristallisent depuis quelques années, mais elles ont fait un bond significatif depuis cette année 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a éclaté, impliquant indirectement pour l'instant beaucoup d'autres pays. Il y a aussi eu plusieurs menaces nucléaires. Un cap a été franchi, et le mot « Troisième Guerre mondiale » est apparu de nombreuses fois dans les médias alors qu'on ne l'entendait jamais dans les années précédentes. Souvenez-vous de Job 33,14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y fait pas attention. Ce mot « Troisième Guerre mondiale » évoque exactement ce qui va arriver juste après l'enlèvement comme nous l'avons vu. Pour autant, le monde apparaît globalement toujours normal selon ce que le Seigneur a dit que les hommes se marieraient, boiraient, mangeraient, etc. et qu'ils ne se douteraient de rien jusqu'au dernier moment. En réalité, comme l'arche de Noé s'est construite en amont du jugement, préparant celui-ci, le jugement qui débutera par la Troisième Guerre mondiale se construit en amont, comme nous le voyons actuellement. Pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, ils comprendront que la fin est inéluctablement proche, et comme le disent d'ailleurs certains analystes non-croyants spécialisés dans les médias, le monde vit son époque la plus dangereuse encore que lors de la guerre froide. Les tensions sont aujourd'hui à leur comble dans différents endroits du monde. De nombreux caps ont été franchis en 2022 dans l'escalade de la violence et des menaces entre les pays, qui nous montrent que nous ne sommes plus qu'à un ou deux coups de la fin, comme pour la partie d'échecs. En novembre, un événement grave s'est produit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le plus grave depuis la fin de la guerre de Corée entre ces deux pays dans les années 50. Un nouveau cap a là aussi été franchi. Il en a été de même cette année pour Taïwan, également entre l'Iran et Israël, Iran qui a d'ailleurs déclaré il y a peu posséder la bombe atomique. Cela ne s'arrête pas là. Il y aura encore beaucoup à dire concernant la situation en Israël, car la fin est une convergence de multiples choses qui sont aujourd'hui presque toutes arrivées à leur terme. C'est comme un entonnoir qui se réduit. De plus, fin mai, début juin 2022, s'est déroulé un exercice militaire aérien de grande ampleur entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Il s'est déroulé en Israël. Nous savons que ce qui se déroule en Israël a souvent un impact prophétique, Israël étant un signe pour le monde. Ils ont nommé cet exercice militaire « chariot de feu ». Ce nom est tiré de la Bible. Les chariots de feu sont les chariots qui sont venus enlever Élie de la terre. Ça, c'est un signe de l'enlèvement. Cette même année, comme nous l'avons vu, des animaux se sont mis à tourner en rond curieusement, présage de la destruction comme Jéricho. Il y a un autre fait. Dans la période où les animaux se mirent à tourner, l'humanité franchissait le cap des 8 milliards d'habitants. Souvenez-vous, 8 personnes entrèrent dans l'arche de Noé à la fin du monde antédiluvien. Encore un signe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y fait pas attention. L'exercice militaire chariot de feu, les animaux annonçant le jugement, le cap des 8 milliards d'habitants sont tous arrivés en 2022, ainsi que les menaces nucléaires. En tant qu'enfants de Dieu, hommes et femmes spirituels, le Seigneur nous appelle à percevoir ce que l'homme naturel ne perçoit pas. Cela n'est en aucun cas pour faire peur, car l'épouse de Jésus sera gardée par l'enlèvement, mais pour que chacun prenne conscience de la gravité de notre temps, de la solennité de la vie, cette vie courte que Dieu nous a impartie dans laquelle nous bâtissons notre éternité. Voilà, nous avons terminé. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons encore d'autres aspects prophétiques concernant les passages que nous avons vus ici. Nous verrons également de nombreux autres aspects prophétiques concernant l'épouse de Christ, l'Église, Israël et le monde, ainsi que leur destinée dans la fin des temps. Nous espérons avoir le temps de produire toutes ces vidéos avant que le Seigneur ne revienne, car il y a une très grande quantité d'informations à transmettre. Que la paix et la joie de la vie éternelle gardent vos cœurs fidèles en Jésus-Christ. À bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.